Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Kena Bridge of Spirit. Et comme d'habitude, installez-vous confortablement, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble en 4K, 60 FPS, toujours sur PlayStation 5. Et on va se TP parce qu'on devait aller libérer enfin libérer le frérot Taro qui se trouve, paraît-il, ici. Donc allons à l'arbre de Taro et allons y mettre la nouvelle relique, évidemment. Et on va pouvoir s'occuper du poteau parce que là, il est dans un piteux état. C'est assez terrible tout ce qui se passe autour de cela. C'est parti, parlons à ces jeunes personnes. Je vais aider Taro maintenant. Si vous n'êtes pas en sécurité ici, accompagnez Monsieur Rusu. Je vous retrouverai lorsque Taro sera libre. Faites attention, Kena. Bon, c'est parti, j'ai envie de vous dire, let's go! Énervé. Ok. Comment j'ai pu louper ça? Ok. J'essaye des trucs. Quelle erreur. Oh, ça c'est beau. La vache. Ok. Oh, beaucoup trop fort. Je suis dans la sauce. Hop, sauce aigre douce. On prend des heals. Ok, ça c'est bon. C'est nouveau. Oh là là, je suis dans la sauce. Ok. Ok. Ça, c'est nouveau. Ouah, ça y... Oh, j'y arriverai jamais là. J'arriverai jamais. En plus, il vient de tricher, le coquelicot. J'arriverai jamais. Attendez, en plus, ça commence à me faire une tendinite, mon ref. Oh non. J'ai loupé une occasion en or.
trop fort. Trop strong. Ça va être très dur. Abattre ! Non, il se TP en l'air. Ça, c'est... Alors ça, Taro, t'es pas sympa, mon ref. Hein. T'es pas sympa. Il se TP en l'air, c'est pas cool. Allez, go. Ok, viens, wesh. Là, je suis hyper concentré, je suis désolé. Ok. Ok, ça détruit mon armure. Wow. C'est bon. Quoi? Quoi? C'est terrible. Oh la vache! Allez, troisième tentative! Eh ben... Oh là là! C'est trop vrai! Il met deux coups, gros, à l'aveugle! T'as emmené ton daron à l'école, toi, mon ref! Fin du quatrième tentative. Le problème, c'est qu'on peut pas non plus se protéger quand on est en l'air. Ça, faut pas l'oublier. C'est dommage, je lui avais bien cassé la gorge. Ok. Bon, on va essayer de rester focus. C'est pas en faisant ça que je vais y arriver. Faut pas oublier qu'il se TP le man. Voilà, il a totalement brisé l'armure. C'est évident. Ok, on va se calmer un petit peu. Hop, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal non plus. Ça c'est vraiment pas mal. Je comprends rien. Mais ça c'est le problème, c'est que quand tu comprends rien, mon ref. Ça c'est... Ah, terrible. Bon, allez. On va essayer de garder son calme. Pas facile. Ok, c'est pas mal ça. Non, ça c'est trop. Ça par contre, mon ref. Let's go. Waouh! C'était chaud! Il était tellement dur! Moi, je vais pas vous mytho que j'ai dû réessayer. À peu près, sans mytho aucun. Beaucoup trop de fois.
j'irai 7 fois. 7 fois. Vraiment. Bon, une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Oh, c'est beau, hein? Oh, c'est beau, hein? Guide des esprits, trophée obtenu! The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village, and I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. Thank you.
sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Honoré Taro, retournez au sanctuaire des masques pour Honoré Taro. C'est fait. Taro a été honoré. Et en plus de cela, il a pu retourner dans l'au-delà, accompagné de ses frères, évidemment. Et ça, les amis, ça, c'est beau. Allez, c'est parti, on gagne un peu plus de vie. Oh, il était hard, hein. Il était hard, le Taro, hein. Oh, c'est une belle barre qu'on a là. C'est une très belle barre qu'on a là, on va pas se mentir. Et direction la suite de notre aventure. Pourquoi j'ai été mis dans ce sens-là? Je comprends plus rien. Ah, c'était là-bas. Oui, bah faut suivre ce chemin. Faut suivre... Ah non, faut juste se TP. Attendez. L'arbre est encore là? Bah, bien sûr qu'il est là, l'arbre. C'est un bel arbre, d'ailleurs, que nous avons là. Il est temps de retourner au village. Avec un peu de chance, souvenez-vous, on avait trouvé un petit... Un très très beau courrier. Pourquoi pas le remettre à la maison auquel il appartient? Et on va pouvoir libérer cette petite maison aussi. Ça, c'est très, 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 très sympa. Par contre, à quelle maison ça appartient? Celle-ci, vous croyez? Non, ça peut pas être à celle-ci. Hein. Non, je reconnais, c'est pas celle-ci. Ok, juste à droite. J'aime bien cette petite musique. Ah, c'est une de mes préférées, elle est sympa. Ah, c'était celle-ci, voilà. C'est bon, je l'ai. Ça doit être sûrement celle-ci. Hop, double saut. À triple entrée. C'est celle-ci. Allez. On va sûrement affronter des méchants. Des méchants pas beaux là-dedans. Très bien. Même pas. Bonsoir. Père. Ok. Eh ben, c'est une belle maison qui reprend vie. Dommage que... Ah ouais, mais là, ben non, vu que tous les habitants sont morts. En gros, littéralement, tout ce qu'il y a autour de cette putain de montagne est mort, hein. En gros, on a été envoyé pour... honorer, pour envoyer tous les esprits dans l'au-delà. Littéralement. Et ben, c'est pas grave, ça reste beau. Qu'est-ce qu'on a là? Vainquer tous les ennemis avant la fin du temps imparti. Bien. Mort. J'aime bien faire des bruits, je vous l'ai déjà dit. Ok. Ah. Ok. Viens là, tout Jésus. J'aurai jamais le temps. Terrible. J'aurai jamais le temps. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, à une seconde près, c'était tendu.
Bah je ferai pas les autres, hein, j'y arriverai jamais. Hein. Oh, Suga, Yarot. Je prends. Je ferai jamais les autres, j'y arriverai jamais. Allez, on essaye. Vainquer tous les ennemis avant la fin du temps imparti. Ok, ouais. Sur un malentendu. Ok. Qui est mort. Attends, on essaye de les aligner. Ok. Ah. Bon, est-ce que vraiment j'arriverai le troisième par contre? Eh, c'est trop chaud, hein. C'est, le jeu est vraiment pas facile, hein. Croyez-le ou non. Mais ça, frérot, ça, j'y arriverai pas, hein. J'y arriverai vraiment pas, hein. Non, va y avoir un boss et tout. Laissez tomber. On va réellement perdre du temps, je pense. Où est la sortie? Ah. On va vraiment perdre du temps, je pense. On fera ça un petit peu plus tard quand on sera sûr. En plus, c'est une minuscule arène. C'est très 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 tendu si je puis me permettre. Oh, il y a des habitants, genre. Voilà, tout le village était comme ça. Heureux, bordel. Et là, ils sont tous morts. Et ça, c'est terrible. J'ai beaucoup d'argent, je sais toujours pas dans quoi les dépenser. Ça, c'est terrible aussi. Alors, on a quoi, là? On a 500 points. C'est plutôt pas mal, en vrai. Après une parade, appuyez sur R1 pour effectuer une attaque virevoltante. Si les ennemis... en tirant sur les ennemis immobilisés, votre flèche ne fendra et infligera des dégâts aux ennemis à proximité. Oh, ça, c'est bon. Ça, je pense qu'il nous le faut parce que c'est vraiment quelque chose de capital. J'utilise beaucoup l'arc. Allez, on est parti. On a quoi dans cette boutique? Porter des chapeaux, bien sûr, les frérots. Bien sûr. Bah ouais, ils ont déjà quasi tous les chapeaux. Ok, pommes de pin et pommes d'api. Un petit cerf. Hop. Tarot. Le masque de tarot qui vaut quand même 500. N'ayons pas peur des termes. Masque de Ruzu. Ok, alors attendez. Dans ces cas-là, on va prendre un peu de tout ça. Ça coûte que dalle en vrai. Comme ça, ça permet de les différencier un petit peu plus facilement. Puis on peut se faire plaisir avec un masque de tarot. Et voilà. On est pas mal. Regardez. On est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Voilà, ils commencent tous à avoir leur petit masque. Ça, ça fait plaisir. Allez, on est parti pour la suite. On va voir ce qui nous attend vers là-haut. Tiens, ça, tu crois que... Voilà, nickel, j'ai failli tirer à côté. Ça, c'est beau. Ça, c'est le beau jeu, le beau move. Bon, Ruzu, c'est terminé. Il faut aller voir le vieux sage. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. Yeah. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Ok, le masque d'Adira. Très bien. Cherchez l'artisane du bois dans les champs au-delà de l'entrepôt. Alors, de mémoire, ce n'est pas ici. Hein, que, je pense que là, ça sera la phase finale, n'est-ce pas? De mémoire, c'est plus, on est plus sur là-bas.
Non ? Non, pas du tout, je crois pas non plus. Attendez. Sur un malentendu, ça peut bien se passer ? Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a aucun malentendu et ça ne s'est pas bien passé. Ouais. C'était vers où, ça ? Rappelez-le-moi. C'était sur la gauche. Ah, putain, c'était dans le village à gauche, tout simplement. Pourquoi s'embêter ? Attends, ils veulent encore que je lui parle, ref ? Non, d'accord. Non, il dit la même chose, oui. À l'ouest. C'est bien ce que je pensais. C'est dans le village directement, à l'ouest. Donc si vous suivez jusqu'ici, c'est à gauche. Mais quand on rentre dans le village, là on est à la sortie du village. Donc c'est ici. Très très bien. On a le nouveau masque en plus ? Non, on l'a pas encore le nouveau masque. Donc, oh, oh, c'est pas dégueu ça. C'est beau, on dirait le village de Konoha, mon ref. Ça me plaît. C'est même très 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 sympa. Très sympa, ok. On va fouiller un petit peu à gauche, à droite, on va checker un peu partout. Ah, ça c'est quoi ça les gars? Ça on prend. Ça je te le dis mon petit pote, on prend, c'est beaucoup d'argent. Et on aime l'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait vraiment le village de Konoha, hein. Ça donne envie de te balader un peu là-dedans, hein. Ok, y'a rien. Oh, Sugoi. Ah non, c'est Merod qui se cale au calme. Là, on a des méchants pas beaux. Ah, vraiment pas beaux pour le coup. Ça passe à travers, c'est beau. Attends, je suis Keblo. Ah putain, c'était ça. Quoi? Quoi? Non, faut le refaire. Faut le refaire. Ça. Hop, petite esquive latérale à la triple entrée. Me pousse pas. Je suis mort. Ça devrait pas tarder. À l'aise lui. Ok. Très bien, je suis mort. C'est une éradication, hein, comme on appelle ça dans le milieu de l'éradication. Lui, il va commencer à me causer les petites colles. Non, en vrai, ça devrait le faire. Il y a quelques petits papillons pour nous donner un peu d'espoir. Même si ces papillons sont très très chiants. Mais ça devrait le faire, j'ai confiance. J'ai confiance. Nickel. Quand tu loupes ta première flèche et que ça va mal se passer, voilà. Tu te fais démonter la gueule comme ça aussi. C'est que ça va mal se passer aussi. Oh la vache. Oh non. Aïe, c'est terrible. Bon, on va attendre de récupérer toute sa vie. Ouais, c'est chaud. En vrai, c'est assez chaud. On va se les faire et on va s'arrêter là, évidemment. Et puis, si on n'y arrive pas, c'est la dernière tentative, quoi qu'il arrive. Vous avez vu comme le jeu est quand même assez cousu, dodu, cocasse.
Parfait, ça. Ok. Ok, ok, on va récupérer ça. Parfait. La vache. Adieu. C'est terminé, mon pote. Terminado. Et si tout va bien, il n'y a plus rien à faire. Oh si, voilà, il y aura ça à faire. Et ça, c'est beau. Allez, remettez-moi ça droit. Ah non, ils vont juste me le soulever, c'est ça? Où ça peut être, ça? Dites voir. Bah, hey, mettez-le juste ici, et puis on va s'arrêter là. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt, tout le monde. Bisous. Ciao, ciao.